Bonjour. Alors, je m'appelle Fanny Desbaumes. Je suis photographe indépendante. Je me suis spécialisée dans le milieu du spectacle et de la danse surtout. Et en même temps que je me suis lancée professionnellement, j'ai décidé de créer un projet artistique sur le milieu de la danse urbaine et contemporaine. Donc je photographie des danseurs et des danseuses en extérieur et j'amène les danseurs à s'exprimer. En fait, là je vais photographier la danse d'un côté très libre, très expressif, où du coup, moi, dans mes images, ce que je vais chercher des émotions, des attitudes. Voilà, c'est un peu le but du projet que j'expose ici, le projet Danse Je Te Vois. Moi, je travaille beaucoup sur l'instant, en fait. Je fais rarement poser, justement, pour que j'aille chercher en fait, des choses très expressives. Je les laisse dans leur bulle de création, de créativité. Du coup, ils dansent. Je les laisse danser et moi, je vais capter l'instant, les meilleurs instants, en tout cas, et ce qui va me parler. Moi, la photo, ça fait une dizaine d'années que j'en fais pour moi. C'est une passion, en fait. Et c'était tellement, tellement dans mon esprit que j'ai voulu me lancer professionnellement pour essayer d'en vivre. Voilà, je me lance par passion, je suis une autodidacte. Moi, le milieu de l'image, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, et je trouve ça... Je trouve qu'aujourd'hui, on est baigné dans l'image. Donc au niveau de la danse, important aussi d'avoir ce truc, de pouvoir amener une certaine vision de comment je vois la danse. Lyon, c'est parce que moi, je suis de la région. Un milieu de danse urbaine très active, en fait. Il y a quand même c'est le bassin du hip-hop, la naissance du hip-hop. Donc c'est aussi là, ça m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu tout de suite des contacts qui étaient intéressés par le projet, qui étaient motivés. J'ai rencontré beaucoup de danseurs du milieu hip-hop contemporain, mais aussi issus du milieu de la création. Donc c'est pas que des danseurs de compétition ou voilà. L'expo, je l'ai appelée Danse Je Te Vois, de manière à dire danse moi je te vois, je capte l'instant, je vois qu'est-ce qu'il y a derrière toi. Sur moi, sur mes séances de danse, j'ai commencé par des danseurs et danseuses en solo, un fond très libre. Par contre, voilà, on instaurait un cadre photographique avec des lieux moi, que je trouvais intéressant à exploiter photographiquement. Après, on choisissait une tenue qui pouvait aller avec. Après, c'est beaucoup de liberté au niveau du danseur que je laisse. Voilà, il faut vraiment qu'il s'imprègne du lieu. De ce qu'il a envie de raconter. Je mets de la musique tout le temps. Et après, moi, si, par contre, j'instaure un cadre quand même. Ouais. Après, j'ai fait évoluer un peu le projet. Ça m'a amené à travailler avec des duos. C'est plutôt le thème que j'ai voulu exploiter, c'est la fusion, la connexion, le thème des relations fusionnelles. Et ouais, c'est vrai que c'est un thème qui me parlait beaucoup, en tout cas. Et tout en gardant ce côté très libre, en fait, par rapport à certains duos et d'autres, ça donne vraiment des choses différentes. Ils ont chacun leur manière d'interpréter et de chercher leurs inspirations, en fait. Là, je suis en train de faire évoluer le projet plutôt sur les duos. Donc peut-être que je serai amenée à changer de titre, d'expo. What's around the next corner?
évolué le projet et moi d'aller un peu plus dans la vidéo parce que je trouve que la vidéo est de plus en plus demandée. Mais aussi, je vois que la vidéo, elle prend beaucoup d'ampleur dans notre société actuellement. Et après, moi, sur le projet, je trouverais ça intéressant, par exemple, de faire une expo photo plus vidéo, amener des choses complémentaires, en fait. Et en plus, voilà, le côté très libre d'expression, raconter des histoires, avoir un côté créatif dans mes images. En vidéo, ça pourrait être encore un aspect encore plus intéressant, en fait. Je pense, mes projets, ils vont rester un peu autour de la danse. Même si on n'exploite pas forcément le mouvement et la technique, on peut exploiter d'autres choses dans la créativité, même des choses très, très théâtrales. Alors, j'ai un site internet. Donc moi j'ai appelé mon entreprise FAD Photographie. Je suis sur Facebook et sur Instagram. Et merci beaucoup pour ce reportage, cette interview. Et puis n'hésitez pas à venir voir mon travail. Et venir voir l'expo. L'expo, elle est à la ferme du Vinatier jusqu'au 30 octobre. Et elle sera aussi visible sur le premier trimestre 2021 à l'espace Albert Camus de Bron. Merci beaucoup. You never know what's around the next corner.